C'est Bob, c'est le plus vieux des mâles, ça fait 16 ans qu'on se connaît. C'est le plus âgé. Oui, je leur donne des petits noms. Par exemple, celle-ci, je l'ai appelée Julie. Elle est marron, mais elle a quand même une coloration plus ou moins bleutée. Je la vois ici, bleutée grise. Bob, le plus vieux des mâles, ici, il a l'œil gauche qui est... Il ne voit plus de l'œil gauche, il est aveugle. Là, le bruit qu'on entend, le bruit de succion, c'est en fait, elle essaie de choper ce que j'ai à manger dans la main, mais je ne lui donne pas. Ma main est fermée devant sa bouche et il a l'odeur, c'est tout. C'est un milieu naturel et je ne veux pas que ça devienne Disneyland. Ce n'est pas Disneyland ici. Je minimise au maximum les méfaits entre guillemets qu'on peut leur produire en évitant que les gens justement les nourrissent. En évitant que les gens soient tout le temps sur eux. One more time. Here we go. J'ai un peu de peur, mais ils sont très doux et je sais pas, très molles. Ça glisse même un peu trop quoi. Au début, c'est pas, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est plus que doux, c'est ça glisse. Hein? Et puis après, on s'y habitue quoi, donc ça va. Of course, you hear or you hear all these stories about race, all these negative things. But when you see them, it just disappears. It's beautiful. They're beautiful. It's amazing. Maybe the idea at first, but. They're so gentle. They don't have any teeth. They do. They do have teeth? Yeah, but they don't use it. I make sure they won't use it against you. En rasant le sable et non, ils ont 5 points bien précis en dessous du corps qui émettent comme des pulses et dès qu'ils repèrent une proie, paf, ils se posent sur le fond et ils aspirent en fait le sable pour jusqu'à choper la proie et ils rejettent le sable par les ouïes qui sont sous les yeux. Pour passer chez le médecin là. Et moi je suis enceinte ou pas alors? C'est mon tour. Allez, on est reparti. Allez, c'est bon. Ce sont des ovovivipares. Ils ne pondent pas d'œufs. Ils font des petits à l'intérieur.
d'un œuf qui reste à l'intérieur. Elle va gonfler de plus en plus. Et la gestation dure à peu près 5 à 6 mois. Non. Et Thierry, et toi quand tu mets la main en fin de gestation, tu sens que ça bouge hein, Ouais, des fois. Oh, ouais. Ok, attends. Attends. Ce sont des zones circulaires qui contiendraient du liquide. Donc ça, c'est juste ce que me donne l'échographie. Il faut que j'analyse de manière plus détaillée. Mais globalement, entre une qui semble toute plate, donc qui ne serait pas gestante, et celle qui est gestante, on voit qu'il y a des formes à l'intérieur. Alors, je ne peux pas vous dire combien il y en a, quand ils vont naître, etc. Mais c'est déjà une première approche. Ce sont des animaux qui peuvent bien sûr vivre en pleine eau, mais qui sont adaptés donc pour naviguer comme ça sur les fonds sableux et vaseux, et surtout pour s'enterrer. C'est-à-dire que leur stratégie de défense, ça va être d'aller se mettre sous la vase ou sous le sable, ne dépasse que les yeux et parfois la queue. Ça leur permet comme ça de se protéger. Il y a un mucus qui est sur la peau et ces raies qui sont en contact avec les touristes à longueur de journée n'ont plus ce mucus protecteur dans la journée. Par contre, bien sûr, elles le resécrètent et le matin, quand on les retrouve, elles en ont. Vous voyez, elles en avaient encore. Donc ça, c'est aussi des sujets qu'il faudrait qu'on approfondisse un petit peu plus pour voir si éventuellement, par ce contact avec la main des gens, on ne favorise pas éventuellement des infections ou des problèmes complémentaires qu'elles n'auraient pas si on n'était pas là pour les enlever. Pour l'instant, en fait, on n'a pas vu d'impact important sur leur état de santé, sur leur parasitisme, sur leur état d'obésité éventuel. Ce qu'il y a de sûr, c'est que quand on les voit comme ça se regrouper en groupe de 5 à 15, ce n'est pas naturel. Normalement, elles vivent plutôt de manière isolée ou en tout petit groupe. Et par contre, lors de notre étude, donc, qui a quand même duré 3 ans là, pour le doctorat que j'ai fait, on s'est rendu compte que la nuit, en les suivant avec un bateau, puisqu'elles avaient des petits émetteurs, elles continuaient à se nourrir. Si on arrêtait demain, elles seraient encore capables de se nourrir naturellement. Fascinée par la vie dans les océans, toute forme de vie dans les océans. J'ai beaucoup étudié les dauphins et leur faculté de plonger en apnée. Et puis là, les raies, ce sont des animaux fascinants par leur anatomie, par leur manière de vivre. Et puis aussi, ben là, le fait d'avoir ce contact direct avec elles, c'est quand même assez fascinant. C'est vraiment comprendre comment les animaux vivent dans la mer. Thank you.